Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche après-midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes à la toute fin des vacances, mais j'en profite pour le faire maintenant parce que j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc je voulais vous parler de mon bilan de ma semaine On lit des graphiques, qui est un total échec, mais je sauve un petit peu les meubles. Là c'est ma quatrième BD, je suis presque à la fin. Non, pas du tout, je suis au deux tiers, c'est le deuxième tome du Château des Étoiles. Je pense que je vais réussir à le finir là, aujourd'hui. Sinon, je triche, je le finis demain, c'est pas grave. Mais voilà, donc j'ai lu celui-ci avec le tome 1, j'ai lu Nana et j'ai lu Le Paris des Merveilles, voilà, de Pierre Pével. Donc 3 BD et 1 manga, 4 graphiques pour cette toute petite semaine pour moi. Mais je réussirai jamais à sortir les Sherlock de ma pâle graphique. Mais si, j'y arriverai un jour. Mais je pense qu'il faut que je sois toute seule à la maison, parce que là c'est vrai que c'était la semaine de vacances, donc je n'étais pas toute seule, et c'est toujours un petit peu compliqué de se concentrer sur une BD, parce qu'en plus c'est des BD qui demandent beaucoup d'attention, c'est pas juste des petits mangas comme ça, rapidos. Vraiment, dans la tête de Sherlock est très développée, il y a du texte partout, et il est complexe, donc j'ai vraiment envie de le savourer, donc je ne veux pas me précipiter dessus. Donc nous sommes dimanche et demain je commence L'île de Yule de Johanna Gustafsson, que j'avais acheté au Quai du Polar à Lyon avec mon gang des tote bags, et je le lis avec une partie du gang puisque c'est Angie qui va me rejoindre sur cette lecture. On a super hâte, il est écrit, c'est super magnifique, il est écrit de façon tout à fait aérée et il fait 330 pages, voilà, donc il sera lu je pense en moins de 3 jours. Peut-être 3 jours, je l'ai prévu jusqu'à jeudi, je crois. Je crois que j'ai prévu 4 jours, en sachant que normalement, le lundi, du coup, demain, c'est férié, donc je suis encore à la maison. Donc j'aurai moyennement du temps pour lire, je pense, à voir, mais pour sûr... Oh ouais, je pense mercredi sera fini. Ouais, mercredi sera fini, voilà. J'ai fini aussi, je ne l'ai pas dit. Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera, c'était chez Pocket et c'est une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très très belle lecture. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ursa, le lien qu'elle a avec Jo, qui est donc cette jeune femme ornithologue qui a eu des problèmes de santé, on sait un petit peu plus loin dans le bouquin, qui va se lier avec Gab, qui est un homme des forêts, de la forêt aussi. Et ils vont être tous les trois liés d'une certaine manière, je ne veux pas trop en dire. Ursa dit qu'elle vient d'une autre planète, qu'il lui faut 5 miracles pour repartir sur sa planète. Et on oscille entre rêve et réalité, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Et puis à la fin, on découvre son histoire. Je ne vais pas vous la dévoiler, bien sûr. Il n'y a pas de fantastique, ce n'est pas du tout un livre science-fiction fantastique, absolument pas. C'est juste un peu onirique. Et donc on découvre la fin du livre, la vie d'Ursa, voilà, d'où elle vient. Et c'était très touchant, c'était vraiment, vraiment super touchant. La fin est belle, j'ai beaucoup aimé, donc je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et j'ai mis un petit post-it sur une phrase, mais c'était beau. Ursa Major était une fiction, la forme d'une ours dessinée dans les étoiles. La fillette vivait à travers une constellation parallèle. Comme une enfant qui coloriait méticuleusement à l'intérieur des lignes, elle devait contrôler chaque geste, sans quoi elle risquait d'atterrir dans cet univers terrifiant au-delà des frontières qu'elle avait tracées autour d'elle. Je trouve cette phrase très très belle. J'ai mis un post-it, je pense que c'est celle que je vais reporter dans mon petit carnet de lecture. Et d'ailleurs, en parlant de carnet de lecture, ça ne va pas du tout parce que j'ai plus de place. Parce qu'il y a 60 pages pour 60 lectures et je suis déjà à ma 55e lecture. Donc il me reste 5 pages en fait. Concrètement, cette semaine, enfin la semaine prochaine, il faut que j'aille à la boutique Fait Maison, qui est rue Jacob dans Paris, pour acheter mon deuxième carnet de lecture, je pense. Ah, on est quand même en mai, et c'est pas impossible que... Bah oui, j'ai 130 romans en général par an. Il va peut-être me falloir 3 carnets de lecture. On verra. Mais en tout cas, voilà, je suis bien contente de cette lecture, bien contente de l'avoir demandé à Pocket et de l'avoir aimé. Et je vous le recommande si vous voulez... un roman proche de la nature, avec une très belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amour, un lien très fort et beaucoup beaucoup de dialogues qui se lient tout seul. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouverai un petit peu plus tard, je pense, pour débriefer. Pas du tout. La fille qui ne prépare pas du tout ses vlogs, j'ai abandonné un livre. J'ai abandonné un Zola. Je suis la fille qui fait un réel sur Instagram pour présenter mes auteurs préférés. Le premier, c'est Zola. Et j'abandonne le livre que je suis en train de lire. C'était L'argent de Zola. Et malheureusement, je n'ai rien compris à ce bouquin.
J'ai lu presque la moitié. Et j'ai lutté. Mais lutté. Mais en fait, mon cerveau, à chaque page, décrochait au moins deux fois. Parce que j'arrivais pas à entrer dans l'histoire, parce que je comprenais pas qui étaient les personnages, parce que je n'arrivais pas à situer les lieux. Je sais pas si c'est l'écriture qui était vraiment, vraiment complexe, ou si j'étais pas du tout dedans, mais je pense que ça vient de l'écriture. C'est un roman qui parle de bourse, d'argent, de spéculation, de monnaie, de tout ça, de sa carque, qui a soif d'argent, et soif de spéculation, et de faire fructifier son argent. Non, je pense que ce qui m'a perdu, c'est que dès le départ, en fait, il n'y a pas d'histoire. Comment dire? On nous dit à peu près qui est Saccard, on nous décrit un lieu, il cherche quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est pas là. Donc en fait, on rentre direct dans l'action et j'aime pas trop ça en général. Et si on le fait, j'aime bien que ça soit posé avec un lieu, un personnage. Et là, il y a plein de personnages qui parlent en même temps et j'étais paumée, j'étais vraiment paumée. Je suis désolée, Émile, je pense que tu m'en veux pas trop. Hein, voilà, pour l'instant, sur 17, j'en ai abandonné un. le 18e en fait. Il me reste la débâcle et le docteur Pascal. Il me semble que la débâcle, c'est sur la guerre, enfin sur la révolution de 1870. Donc je ne sais pas, on verra. Et puis le docteur Pascal referme la saga. J'ai hyper hâte de lire parce que je pense qu'on retrouve les personnages et qu'on retrouve Adélaïde Fouque, qui est l'ancêtre des Rogon-Macquart, le premier personnage des Rogon-Macquart qui va avoir un époux, puis deux, mari, enfant, tout ça. Et je crois qu'à la fin, elle meurt, tout simplement. Donc en fait, on a déroulé tout le fil. Alors je ne sais pas quel est le contexte, hein, de sa mort, mais je sais que ça se referme avec Adélaïde Fou qui décède. Et je trouve ça formidable parce que ça clôt parfaitement la saga. Voilà, et eh bien écoutez, maintenant je vais vous laisser. Je vais aller terminer mon Château des Étoiles, tome 2. Et puis je vous débrieferai un petit peu le journal Gustafsson, je pense. Nous sommes mardi matin et j'ai attaqué hier l'île de Yule de Johanna Gustafsson et j'ai déjà mangé 122 pages. J'ai mis un marque-page. Alors pas du tout de saison, mais du saison de saison du bouquin Winter Vibes de chez Léa. Parce que du coup, ça se passe en Suède, à Stockholm. C'est ça en Suède? Stockholm, c'est en Suède, oui. Oui. Sur une petite île en face Stockholm, où Emma est en fait elle est. Elle est quoi? Elle travaille dans l'art. Elle estime les tableaux, les choses comme ça. Je ne sais pas quel est son boulot. C'est quoi? Bref. Elle estime les objets de valeur. C'est pas huissier? J'ai plus. Et donc là, elle va devoir estimer les objets de valeur du manoir qui est sur l'île de. Bref, sur l'île. Mais cette île a un passé un petit peu sombre puisqu'une jeune fille a été pendue il y a 10 ans, en 2012, et là on est en 2021. Donc il y a un lien, je vous dis pas lequel, entre cette affaire de la pendue et le travail que va devoir faire Emma dans ce manoir, parce qu'en fait, ce manoir a une particularité un petit peu spéciale, il est tenu par les Gussmann, c'est ça? Et en fait, dans ce manoir, il y a des petites choses un petit peu bizarres qui se passent. Il y a des gens. Il y a un mot qui est retrouvé par Emma. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je passe un super moment. Alors, l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, c'est que Johanna Gustafsson est française et elle fait du polar nordique. Moi, le polar nordique, c'est pas ce qui me parle le plus. Hein. Ragnar Jonasson, j'ai lu La Dame de Reykjavik, j'ai adoré la fin. Franchement, à la fin, j'ai trouvé ça extra. Mais sinon, c'était pas dingue pour moi. J'ai lu, alors Mau-Malo, il est français, mais il avait écrit Kanak qui se passe. Oh là là, au Groenland. Groenland, c'est pas du tout en Suède, ni dans les pays nordiques, faut presque. Et sinon, j'avais lu Camilla Läckberg, La Princesse des Glaces, qui ne m'avait pas du tout plu, que j'avais trouvé très froid, très distant, très neutre comme écriture, mais je n'ai pas essayé plus. Et là, je me dis, le fait de lire une autrice française écrire sur un polar nordique, c'est assez intéressant parce qu'elle-même habite en Suède, je crois, ou en Islande. Et du coup, et ben elle a une écriture différente que les auteurs islandais, suédois, norvégiens, tout ça.
Et je trouve que je rentre très facilement dans ce style, dans cette écriture, donc ça me plaît, donc j'aurais presque envie de retenter les polars nordiques, mais j'ose pas. Donc je sais pas si je retourne vers Camilla Läckberg, parce qu'elle, elle a dit pendant Les Quais du Polar, pendant une conférence, que je crois que pendant qu'elle écrivait ce roman, elle lisait Camilla Läckberg. Ou c'était Camilla Grébe? Non, je crois que c'était Camilla Läckberg. Donc il y a peut-être un petit peu de cette écriture-là qui retransparaît. Transparaît dans le style de Johanna Gustafsson. Donc c'est ça aussi où je me dis, ah, pourquoi je retenterai pas après tout? Pourquoi pas? Donc en tout cas, je passe pour l'instant un très bon moment. Je vais pouvoir l'avancer aujourd'hui parce que je reprends mes cours et je reprends les transports surtout. Et j'espère le terminer demain. Il y a des dialogues, c'est assez efficace, les personnages sont attachants. On suit trois personnages, Karl, Emma et Victoria. Donc c'est un peu un roman choral avec des fois deux, trois chapitres qui suivent le même personnage, ça c'est pas très gênant. Et puis on en apprend au fur et à mesure. Alors je sais que Mag en avait très bien parlé et elle avait dit qu'en fait Johanna Gustafsson au fur et à mesure de ce roman développe les personnages et nous donne des petits cliffhangers comme ça, des petites infos de fin de chapitre assez régulièrement dans le bouquin. Effectivement, j'en ai déjà eu, oh je vais dire deux. Je pense, dont une grosse information qui fait que tu as envie d'avancer, quoi. Ça donne le style page-turner et c'est très agréable. Donc voilà, j'y retourne tout à l'heure et j'ai très très hâte. Je vous reprends si j'ai quelque chose dans la boîte aux lettres, mais je n'attends rien. Et puis j'espère que vous ça va. On a un temps pourri à Paris toute la semaine, il flotte, mais ça remplit les nappes phréatiques. Voilà, faut bien voir du positif. Je vous reprends deux petites secondes car dans la boîte aux lettres j'avais un petit livre de chez Pocket. Alors je n'attendais rien de chez Pocket et puis je me suis dit bon j'en parlerai un peu plus tard. Et en fait j'ai reçu Tout ce qui est à toi brûlera de Will Dean. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Il est sorti l'an dernier, je l'ai lu, je l'ai dévoré avant les Quais du Polar à Lyon et vraiment je vous le recommande très 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 fortement. Comme je l'ai déjà, je vais le faire gagner sur Instagram. Il est court, hein. Il est vraiment court, il fait moins de 300 pages et j'ai trouvé cette ambiance tellement oppressante. Il y a un côté un peu féministe, il y a de la sororité, il y a de la tension, il y a une envie d'échapper à l'horreur. C'était extraordinaire. Je vais essayer de vous lire le résumé s'il n'est pas trop spoilant. Il est son mari, elle est sa chose. En choisissant l'Angleterre pour y faire ses études, Tan Dao n'imaginait pas à quoi son univers se limiterait, à cet homme, à cette ferme, au brouillard des médicaments, à la douleur comme horizon. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais c'est une histoire incroyable qui m'a pris aux tripes et que je vous recommande vraiment très 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 fortement. Maintenant qu'il est en poche, vous n'avez plus aucune excuse et je vais le faire gagner sur Instagram. Oh, je vais le faire gagner en story, je pense. Je vais en parler à Emmanuel de Pocket, mais je pense que ce ne sera pas un souci. Voilà, gros coup de cœur pour moi, je vous le recommande très 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 chaudement. Voilà. Nous sommes jeudi matin, je vais bientôt partir au travail, mais je viens vlogger un petit peu pour vous parler lecture. Alors, dans quel ordre? Unboxing, enfin unboxing, réception Pocket, les affinités sélectives de J. Courtney Sullivan. Il fait partie du Grand Prix des lecteurs 2023, je pense, en catégorie roman. Il est assez gros, hein, il fait 600 pages, un peu plus de 600 pages, même 630 pages. Et il nous raconte l'histoire de Elisabeth, de sa vie survoltée à Brooklyn. Elisabeth regrette à peu près tout. Pourquoi être venue s'installer dans cette petite ville ringarde? Journaliste à succès, elle manque d'inspiration. Jeune maman de sommeil. Jeune maman de sommeil. La dépression la guette, jusqu'à l'arrivée de Sam, l'étudiante endettée qu'elle embauche comme babysitter. Tout les sépare, l'âge, l'argent, le milieu social, mais de confidence en confidence, les deux femmes se lient d'amitié, convoitant chez l'autre la possibilité d'une vie différente. Est-ce cela qu'on appelle l'amitié? À quoi, sinon aux circonstances, tiennent les affinités sélectives? Ça a l'air assez intéressant. Je ne sais pas chez qui il est sorti. Aux Escales. Ah, aux Escales, d'accord. Très bien. C'est plutôt des romans, je ne vais pas dire des romans fleuves, mais voilà, des histoires de vie, de famille, de choses comme ça. Et ça se passe donc aux États-Unis. Je ne sais pas où aux États-Unis, parce que Petite Ville Ringarde, je ne sais pas où ça peut être fait. Alors, c'est plutôt récent, 2014-2015. Elisabeth, ça a l'air d'être un roman choral. Les chapitres ont l'air longs? Non, si. Elisabeth. Sam, ok, donc c'est. Ouais, ça a l'air d'être un coup l'une, un coup l'autre au niveau de la narration. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein. Ah, il y a un truc 2025 à la fin, d'accord.
Il doit y avoir une vingtaine de chapitres à tout casser, donc c'est des chapitres assez longs. Pourquoi pas? Pour l'été, ça peut être pas mal. Je pense que ça doit être un roman. Puis j'aime bien la couverture, en plus, elle est assez parlante, finalement. Par contre, j'aime pas trop ce style d'écriture. Bon, bref, c'est pas grave. Merci Pocket, il est sorti le 4 mai, celui-là. Ensuite, niveau lecture, alors c'est qu'un dimanche, j'avais terminé ma lecture en cours, donc là où les arbres rencontrent les étoiles, et lundi, je devais commencer l'île de Yule. Et entre-temps, je vous en ai pas parlé, on est jeudi quand même, bon. J'ai lu une petite nouvelle de ce recueil de Mariana Enríquez, Les dangers de fumer au lit. J'ai lu la première nouvelle, et ok, voilà, je vois le style, ça me plaît, mais j'aimerais que ça aille plus loin dans l'horrifique. Parce qu'il y a des éléments assez intéressants qu'elle développe dans la première nouvelle, mais peut-être pas assez longtemps pour moi, parce que la première nouvelle est vraiment courte. Et bon, il y en a plusieurs, et il y en a une qui a l'air vraiment plus longue que les autres, qui est donc 213 depuis 161, donc qui fait 50 pages à peu près, c'est celle-ci, qui s'appelle Les Petits Revenants. Donc voilà, je vais picorer un petit peu, je vais regarder peut-être la vidéo de Margarito justement, parce qu'elle en parle. Et il me semble qu'elle cite celle qu'elle a préférée, donc je vais peut-être me les noter pour les lire, mais voilà, je lirai probablement pas tout, enfin pas tout d'un coup en tout cas, mais je vais essayer de picorer comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. J'en ai lu une dimanche, je le laisse sur mon bureau de toute façon celui-ci, et j'essaierai de retenter une autre nouvelle prochainement. Et sinon, j'ai terminé L'île de Yule de Johanna Gustafsson. C'est un petit coup de cœur, je me suis régalée dans cette lecture, c'était incroyable. L'efficacité de la plume de l'autrice. Donc elle est française, elle écrit un polar nordique. Et en fait, pour moi, c'est pas un polar nordique, c'est un polar qui se passe en Suède, écrit par une française qui a beaucoup de talent et qui sait tout à fait maîtriser et doser les éléments et nous les donner en temps voulu, en fait. Donc on suit, je vous l'avais déjà dit, trois personnages, Karl, Victoria et Emma. Emma est donc spécialiste en art. Ah, j'ai toujours pas trouvé le mot, mais vous allez peut-être le trouver pour moi. Elle estime les œuvres d'art, voilà, lors de notamment de successions, de choses comme ça, j'imagine. Et donc elle va dans ce manoir un petit peu bizarre, habité par les. Je vais toujours pas y arriver, hein. Je l'ai fini hier quand même, hein, j'aurais pu. Les Gussmann, voilà. Habité par les Gussmann, mais dans lequel il rôde une ambiance un petit peu bizarre. Puis en alternance, on suit Karl, puis Victoria, et puis on se rend compte d'un truc. Alors on l'a lu avec Angie, et on s'est rendu compte d'un truc, on a fait, ah mince, effectivement, on a cet élément-là maintenant, donc peut-être qu'on peut en déduire certaines choses. Karl est un flic, il est sur l'affaire donc de la pendue, d'une autre affaire en cours, et puis on se rend compte qu'il y a une histoire de légende un peu viking derrière tout ça. Alors moi j'y connais strictement rien, mais c'est plutôt bien expliqué, le lien avec le chiffre 9, les sacrifices, les choses comme ça. Donc c'est très intéressant, c'est bien, bien détaillé en fait pour que les personnes comme moi qui sont complètement novices puissent comprendre ce qui se passe. Et puis, bam, on a un premier gros coup de poing dans la tronche, et on se dit, ah ouais, ça change tout, mais ça change tout, en fait. D'accord, très bien. Deux chapitres plus loin, bim! Deuxième événement. D'accord, très bien. Ok. Et là, ça s'enchaîne vraiment. Et là, je vous parle de ça, c'est chapitre 41, 43. Donc, on est là. On est là, à peu près. On est aux deux tiers. Et on voit qu'il se passe un truc vraiment, vraiment intéressant. Et là, ça va continuer et monter, jusqu'à révéler tout un truc, tout un espèce de labyrinthe qui se connecte, enfin, tout un cheminement de pensée qui va se connecter et qui va dire, ah la vache, c'est vachement bien fait. La vache, c'est bien. C'est pas très français ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est hyper bien mené. C'est extra. Vraiment, c'est un petit coup de cœur. Je suis très, très contente de l'avoir lu. Et j'avais pas trop aimé Bloc 46 à l'époque où je l'avais lu, mais j'avais pas vraiment de comparaison par rapport aux autres thrillers parce que j'en lisais moins. Mais là, clairement, elle m'a complètement réconciliée avec son style. Donc je voudrais lire La Folie d'elle, qui n'est pas sa trilogie. Je sais même pas si c'est une trilogie, Bloc 46. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Oui. Donc la série Roy et Castells. Donc il y a Bloc 46, Mort et Sang. Ça, je non. Et par contre, te tenir la main pendant que tout brûle, c'est la folie. C'est le même titre. La folie. Je pense que la folie, c'est le titre poche. Et l'autre, c'est le titre grand format.
Donc voilà, j'ai très envie de le lire, c'est un one-shot, il me semble. Et voilà, je pense que si je la revois en salon, il n'est pas impossible que je craque encore un petit peu. Voilà, en tout cas, c'était pour l'île de Yule. Je recommande vraiment, vraiment de le lire. C'est un one-shot, il fait 320 pages, il se lit tout seul et franchement vous allez être ravis je pense de cette lecture si vous aimez les thrillers et les histoires un petit peu à rebondissements multiples, bien dosés et des personnages bien creusés aussi. Voilà, j'ai adoré. Et j'ai continué mes lectures avec Sex Bomb de Nicolas Robin. Voilà, c'est chez Fayard, il est sorti le 2 ou le 3, très récemment. Et j'ai déjà mangé 100 pages, donc je suis presque déjà à la moitié, juste hier, parce qu'en fait j'ai terminé l'île de Yule le matin, et j'ai commencé Nicolas Robin l'après-midi, et du coup, bah, je me régale, je ne savais rien de cette histoire, j'ai juste vu Eddie, voilà, Eddie, ok, c'est un homme, très bien. Donc en fait, Eddie est toiletteur pour chiens, il adore son métier, et au début, la première phrase, je vous la lis parce que c'est celle qui est écrite là, « Il faut beaucoup aimer les chiens, beaucoup, beaucoup. » Beaucoup les aimer pour les pouponner. Sans cela, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Et ça résume un petit peu l'humour grinçant parfois de Nicolas Robin. Donc on est avec Eddie, un homme d'une quarantaine d'années, de 40 ans je crois, qui aime coucher avec les personnes, des femmes beaucoup plus âgées que lui. En fait, voilà, donc c'est sa vie, c'est ses choix. Et il ne s'en cache pas du tout, il a beaucoup de succès auprès de ces dames avec sa petite moustache. Il me fait penser à Freddie Mercury, mais pas gay en fait, il est hétérosexuel. Et il est coiffeur, et il l'assume tout à fait, il adore son métier, il adore ça. Et il bichonne tous ses petits chiens, et il bichonne aussi les maîtresses de ses petits chiens. C'est assez cocasse au début. Et puis on rencontre un autre personnage qui est donc Maryse, qui est une femme d'un certain âge, qui a une fille qui s'appelle Chloé, qui a 25 ans, et elles ne s'entendent pas du tout en fait. Chloé déteste sa mère, pour les bonnes raisons, je ne vous dis pas lesquelles, mais il y a des raisons pour lesquelles elle déteste sa mère. Et Chloé veut un peu se venger. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est un régal. Il y a certaines scènes un petit peu osées, hein, voilà, mais ça fait partie du truc, ça fait partie du personnage d'Eddie et du personnage de Maryse aussi. Nicolas Robin ne mâche pas ses mots et vraiment j'aime beaucoup cette lecture, je trouve ça très, très grinçant à certains moments. Vous savez, c'est quand on creuse un peu le vernis en dessous, on fait « Ah oui, d'accord, j'aime bien, vraiment, c'est un plaisir ». Et puis c'est marrant de se trimballer avec un bouquin qui s'appelle « Sex Bomb » avec un husky sur la couverture quand même. Donc j'aurais pu acheter ce livre juste pour le husky. Voilà. Donc je suis team chien, encore une fois, vous avez répondu, vous avez été nombreux à être team chien aussi, donc ça me rassure un petit peu. Il y en a qui sont team chien et chat, donc c'est bien aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est très très agréable, ce petit bonbon rose que je vais terminer aujourd'hui, hein, clairement, parce que j'ai pas mal de transport aujourd'hui, et du coup, je prends également un autre livre dans mon sac. C'est le tome 7 des enquêtes de Anna Svensson, Meurtre et Cheesecake aux cerises. Nous sommes déjà au tome 7, ça y est, le tome 8 arrive très bientôt, et ça sera Meurtre et Tarte au citron vert, il sort le 18, je crois. Pas écrit, mais je crois qu'il sort le 18, donc c'est tout bientôt, ça tombe très bien comme ça, on me fera l'été, je pense, parce que celui d'après, je crois, sort en octobre, il y en a deux par an, il me semble, en général, et du coup, voilà, c'est Anna, quoi, donc on retrouve Anna Svensson à Eden Lake, dans une nouvelle enquête, parce que Eden Lake est transformé en plateau de tournage par une équipe de cinéma, et tout le monde est sur le pont, à commencer par Anna Svensson, notre pâtissière favorite, dont la boutique est devenue la cantine des acteurs. Voilà, je n'en lis pas plus, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. La fin du tome 6 était comme ça, un peu cliffhanger, ta ta ta. Est-ce qu'il va se passer des choses? Je ne sais pas. On est toujours avec ces deux prétendants. Et puis peut-être qu'un jour elle va choisir la bougre. Mais voilà, on passe toujours un bon moment, c'est toujours très agréable d'être à Eden Lake avec elle. Il fait un peu plus de 400 pages, il y a toujours des recettes à la fin, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a pas mal quand même. Hein. Ah, il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 recettes. Non mais... Bref, 14 recettes. Voilà, donc je vais me régaler avec Anna Svensson après avoir terminé le livre de Nicolas Robin. Et il va falloir très très urgemment que je passe chez Fait Maison pour me racheter un carnet de lecture parce qu'il me reste 5 pages. Voilà. C'est la merde. Il me reste 5 pages, donc 5 lectures en sachant que l'île de Yule c'est bon.
Nicolas Robin, ça va être le numéro 56. Anna Svensson, 57. Et puis après, je crois que je lis Les Meurtres Zen de Carsten Duss, le tome 2. Donc là, on est dans le mois de la saga. Hein. Je suis en plein dedans là, avec celui-ci. Et puis après, je lis Harry Potter aussi, Harry Potter 7. D'ailleurs, il faut que je passe à la librairie pour l'acheter. Je vais craquer mon no-buy, mais bon, il est terminé depuis mardi, donc ça va. J'ai tenu sans, j'avoue, sans difficulté pour pas aller à la librairie parce que j'ai quand même pas mal de choses à lire et j'en ai reçu. Donc je vais vraiment pas me plaindre. Il faut surtout que je pense à vider ma palle, en fait, tout simplement. J'en avais 30, 42 au début du no-buy et j'en ai plus que 32 en sachant que j'ai reçu des services presse, que si je n'en avais pas reçu, je pense que j'en aurais moins de 30 à lire. Mais voilà, je vois ma palle là. En fait, il y a des bouquins qui ne sont pas dans ma palle de cette année, je vais dire. Par exemple, voilà, le kilomètre 950, il est chez Erol, je crois. Je l'avais reçu en SP sauvage, enfin, je n'avais pas demandé. Mais je lis beaucoup de bons avis. Donc, il n'est pas dans ma palle, mais il n'est pas impossible qu'il rentre dans ma palle pour cet été, par exemple. Il y a d'autres bouquins comme ça qui sont pas dans ma palle parce que je ne pense pas les lire cette année. Mais ils sont là, ils sont dans mes deux étagères. Mais ma palle active, on va dire, compte 32 livres actuellement. Donc c'est pas mal. J'aimerais bien descendre à 20. En vrai, j'aimerais descendre à 0, hein, mais c'est pas possible. Donc j'aimerais descendre à 20, sachant que je referai un no-buy cet été et que ça serait bien qu'en septembre je sois à 20. Je pense que c'est complètement normal, enfin, non, possible et normal, en sachant que l'été dernier. Ah, je sais plus à combien j'étais, je devais être à 50 et j'avais dû descendre à 35, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Mais j'avais bien baissé ma palle, ça m'avait beaucoup aidé, en sachant que l'an dernier j'avais un concours à préparer et que cette année je n'en ai pas. Donc je vais avoir du temps pour lire, a priori. J'ai des vacances, des débuts de vacances très chargés, mais des fins de vacances plutôt chill, enfin chargées jusqu'au 10 juillet, quoi. Et puis après, c'est les vacances, en sachant que de toute façon on a notre fils, donc voilà, ça dépend aussi de lui. En sachant aussi qu'il ne fera plus la sieste parce qu'il est grand maintenant, il va avoir 4 ans. Donc bah, on va laisser un petit peu tomber la sieste, on va plutôt privilégier des moments calmes, tout ça. Mais ça veut dire que je vais peut-être pouvoir moins lire aussi, puisque pendant les siestes, c'est vrai que on n'avait rien d'autre à faire à part faire des choses calmes sans lui, donc lire. Et là, vu qu'il est là, peut-être qu'il sera aussi demandeur, ce qui est tout à fait normal. Donc je pourrais peut-être m'en lire, je ne sais pas. J'avais dit ça aussi déjà en juillet et je crois que j'avais lu 22 livres sur l'été, c'est quand même pas mal. Voilà, et eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Ce soir, aujourd'hui j'ai une journée assez chargée et ce soir je vais à un spectacle de danse à La Villette. C'est un spectacle de danse contemporaine de Jan, je sais pas comment ça se prononce, Jean, Jan, J-A-N, Jan Martins, que je n'ai jamais vu, dont j'ai beaucoup entendu parler. Et là c'est à La Villette. Donc j'y vais ce soir. Donc journée très chargée, donc beaucoup de transport, donc beaucoup de lecture. Voilà. Nous sommes vendredi matin, il fait beau, il fait beau, c'est magnifique, c'est cool. Je reviens vous parler de mes updates lecture. J'ai terminé Sex Bomb de Nicolas Robin et c'était un régal. Alors au début, je vous avais dit, ça parle de Eddie qui est coiffeur de toiletteur pour chien, hétérosexuel et qui couche avec des vieilles personnes, des seniors, bien seniors, qui n'attendent qu'une chose, c'est que Eddie leur chante et leur fasse l'amour absolument divinement. Donc il a très très bonne réputation par rapport à ça. Jusqu'au jour où il rencontre Maryse, qui est une jeune femme d'un certain âge aussi, qui a une fille Chloé, qui a une particularité. Donc ces trois personnages vont être les trois éléments centraux de ce livre, avec beaucoup de toutous, il y a plein de toutous, moi j'adore les toutous, et une histoire un petit peu pas farfelue, mais. Qui est un peu creusé quand même au début par l'auteur et qui creuse encore plus. Et il va y avoir une histoire de vengeance, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très caustique, c'est très cynique, j'ai trouvé ça très intelligent et on passe un bon moment. Il y a des scènes un petit peu osées comme je vous l'ai dit, mais ça fait partie du jeu. Et la fin, alors il y a deux fins pour moi. Une première fin parce qu'on s'attend à quelque chose, cette chose-là finit par arriver de manière. Pas inattendu, mais voilà, ça finit par arriver, et puis on se dit, bon, bah très bien, c'est l'aboutissement. Et la toute fin, bim! Petit twist final, j'ai adoré, j'ai trouvé ça extra. Et j'en ai parlé avec Nicolas, avec l'auteur, et voilà, c'était vraiment très efficace. J'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. On passe un bon moment, on passe par beaucoup d'émotions différentes, et puis le twist final est vraiment bien fait, j'ai trouvé. Et je pense que si vous avez bien lu le roman et si vous avez bien compris le caractère des personnages,
Cette fin-là est parfaitement logique et bien amenée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup Nicolas et merci Faya pour cet envoi. Parce que c'est un plaisir. Alors moi j'avais lu de l'auteur Roland est mort. Il y avait déjà un caniche sur la couverture livre de poche. J'avais adoré. Et j'avais lu Une folie passagère que j'avais moins aimé. Et La claque l'an dernier qui était très intéressant sur un homme battu en fait. Et c'était vraiment pas mal fait. Voilà. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Tom Jones en citation de début. Bah oui, Sex Bomb, évidemment. Et c'est de Marguerite Duras. Il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. Et le roman commence sur Il faut beaucoup aimer les chiens. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les pomponner. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. C'était marrant, ça. Tiens, j'avais pas vu. C'était par rapport à une citation de Marguerite Duras. Très intéressant. Voilà, Sex Bomb de Nicolas Robin. Il est sorti, je vous le recommande. Et j'ai continué donc hier mes lectures avec Meurtre et Cheesecake aux cerises pour le mois de la saga, puisque c'est le tome 7 et que le tome 8 sort tout bientôt. Je vous en ai déjà parlé. Ici, on est donc dans une structure du roman qui est un petit peu différente de d'habitude. Parce que on s'attend à un meurtre. Voilà. Sauf que là, je suis à la moitié, le meurtre n'a peut-être pas encore eu lieu, quoique. Parce qu'en fait, on a un prologue dans cette histoire qu'il n'y a pas, il me semble, dans les autres tomes. C'est bien un prologue, oui, c'est un prologue qui fait une page. Voilà. Il se passe quelque chose dans ce prologue et on revient 2 semaines avant pour dérouler l'histoire. C'est vraiment intéressant. Et du coup, le meurtre étant placé différemment, on a un peu cette attente. Et en même temps, moi, je l'attends plus, ce meurtre-là, parce que je suis vraiment bien dans l'histoire, parce que le trio Anna, Mike et Norman est à tomber par terre. Il y a du comique de situation partout. C'est hyper drôle. Et Joanne Fluke réussit quand même à nous manipuler par rapport à ça. Nous, on attend une réponse, on attend qu'elle fasse un choix. Elle en joue vachement. Elle ne fait pas encore son choix. Et puis, bah, il y a d'autres personnages qui rentrent en scène. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Mon préféré, c'est le premier parce que c'était la découverte un petit peu. Mais celui-là, pour le moment, vraiment, est très en haut de ma liste. Donc voilà, il est sorti depuis un moment déjà, je crois. Et le prochain sort le 18 mai. J'ai bouffé 200 pages hier, quoi. Donc bah, j'avais du temps hein, pour lire. J'ai eu aller-retour en transport, donc 2 heures en transport, plus... je dirais bien... J'ai dû avoir 3 heures... Un peu plus de 3 heures de lecture dans la journée. Donc, ceci explique cela. J'ai mangé 300 pages et voilà pourquoi j'ai pu avoir du temps pour lire, donc pour manger 300 pages. Je vais y arriver. Voilà, donc je vais continuer aujourd'hui. Ce matin, j'emmène ma voiture au contrôle technique, passionnant. Ensuite, j'ai cours de pilates, passionnant. Et cet après-midi, je vais faire un saut chez Fait Maison. Puisque, comme vous le savez, j'ai un carnet de lecture qui arrive vraiment au bout de sa vie. Puisque je suis à la page 55. Oula. Qu'il en comporte 60. Et que ça va pas du tout parce que je ne lis pas 60 livres par an. J'en lis plus du double. Donc, voilà. L'île de Yule. Sex Bomb, il faut que je le mette. Anna Svensson, c'est le 57. Donc, il faut absolument que je me procure un nouveau carnet de lecture. Je vais en profiter pour faire des coucous, pour filmer un petit peu, pour vlogger. Hier, c'était la soirée de lancement. Pour les libraires et les journalistes, je pense, de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste. J'ai hyper hâte de découvrir les livres de la rentrée littéraire pour cette année. Je suis lectrice très assidue de l'Iconoclaste depuis plusieurs années maintenant. Ils m'avaient envoyé un peu de façon sauvage, on va dire, leur rentrée littéraire. Ils m'avaient envoyé 2 romans. À l'époque, c'était L'autre Rimbaud et Liv Maria de Julia Kerninon et L'autre Rimbaud de... Je ne me rappelle plus. David, je sais plus. Et ça avait été 2 coups de cœur. Vraiment, j'avais Liv Maria, je l'avais lu en un trajet de voiture. On partait dans le sud avec mon fils et mon mari, et mon conjoint, et du coup, on descendait, et mon fils était petit encore, il avait... Oh, c'était il y a 2 ans. 3 ans peut-être. Peut-être c'était il y a 3 ans, peut-être qu'il avait 1 an. 1 an et demi. Non, il venait d'avoir 2 ans, c'était il y a 2 ans. C'est pas possible. Bref. Vous saurez mieux que moi. Et du coup, j'avais lu, et mon fils dormait beaucoup dans la voiture, et quand il dormait, on pouvait pas mettre de musique, on pouvait pas trop se parler avec mon conjoint, j'étais derrière, et j'avais sorti mon bouquin. Je l'ai lu sur tout le trajet. Toute la sieste de peut-être 1h30 de mon fils en voiture, je ne me suis pas arrêtée, je l'ai lu d'une traite, j'ai trouvé ça absolument libérateur comme bouquin, et j'avais jamais lu de Julia Kerninon, et je serais curieuse d'en lire d'autres. Donc voilà, Liv Maria, et puis L'autre Rimbaud sur le frère d'Arthur Rimbaud, hyper, hyper intéressant.
Et voilà, ces deux-là, ça avait été vraiment des coups de cœur. Et depuis, eh ben, je lis l'iconoclaste. Et depuis, ben, c'est que des coups de cœur, en fait. Pratiquement que des coups de cœur. Mais j'avais déjà découvert l'iconoclaste avant, j'en avais déjà lu certains. Mais la rentrée littéraire, c'était la première fois qu'il me l'envoyait. J'ai pu assister l'année dernière à la soirée de lancement. J'ai pas pu assister à celle d'il y a 2 ans. Mais j'ai assisté aussi au lancement de la collection Proche. Donc voilà, l'Iconoclaste, c'est vraiment une maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur parce qu'ils produisent des romans de qualité, ils sont adorables, et en plus ils sont sur Paris, donc des fois je vais les voir. Et c'est très très chouette, donc je vais aller leur rendre une petite visite cet après-midi pour me procurer un nouveau carnet de lecture. Donc il faudra que je mette un petit 1 par exemple, je trouve un petit autocollant joli pour mettre un 1 et un 2 sur le deuxième carnet parce que les carnets sont identiques, il n'y a pas plusieurs couleurs. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller emmener mon auto au contrôle technique et je vous reprends un peu plus tard. Vous vous souvenez mon point orchidée? Alors ça résonne, je suis dans mon entrée là. Mon point orchidée, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça bourgeonne! Je suis trop contente, j'ai 3 petits bourgeons. Alors bon, celle-là, elle est un peu cuite, voilà. Mais celle-là, elle est bien repartie, donc je suis contente. Et j'ai 3 petits bourgeons, je suis trop contente! Je suis rentrée à la maison et je viens vous montrer un petit peu des choses puisque, hop là, je vois double. Voilà, donc j'ai un deuxième carnet de lecture, j'enlèverai ça. Je vais trouver une petite vignette pour le numéro 1 et une petite pour le numéro 2. Voilà, je suis bien contente, j'ai donné des petites suggestions aux filles de l'équipe pour peut-être des prochains carnets de lecture, ça serait chouette. Donc voilà, je vais le remplir assidûment et elles m'ont aussi donné un exemplaire de Mon mari de Maud Ventura. J'ai déjà mon exemplaire en grand format. Mais là, il est pour vous. Donc, je fais un petit concours sur Internet jusqu'à demain. Ouais, donc, je pense que quand vous aurez cette vidéo, malheureusement, le concours sera terminé. Petit marque-page Team Clémentine ou Team Ananas. Ceux qui l'ont lu comprendront. Et il y a aussi un petit sticker ici que je glisserai dans le livre. Voilà, pour le gagnant ou la gagnante. Petit concours. Prix du premier roman, on m'a dit qu'apparemment il avait été encensé, enfin je savais, par le Oprah Daily, je crois, un espèce d'article webzine sur Internet, il me semble, et il est traduit en fait, il va être traduit, donc c'est top, top, top pour la sortie de ce roman, vu qu'il vient de sortir en poche, il n'y a plus d'excuses, il est court, hein, il fait 267 pages, et vraiment moi je me suis régalée, j'ai adoré cet humour, c'était un vrai bonheur. Voilà, Anna Svensson se lit toujours aussi bien puisque j'ai avancé encore 200 pages. Voilà, je suis à la page 301, chapitre 25. Il me reste une dizaine, même pas moins de 10 chapitres. Et comme je suis toute seule chez moi, enfin toute seule, mon fils dort à 8 heures et mon conjoint n'est pas là ce soir, donc je pense que je vais lire. Il n'est pas impossible que je le finisse. Et quand je le finis, eh bien derrière, j'ai d'autres lectures, à savoir Les meurtres zen de Carsten Duss. Donc c'est les meurtres pour lâcher prise. Mais avant ça, avec Estelle, on va se faire une petite lecture commune d'un livre qui n'était pas prévu du tout, que je vais vous montrer. On l'avait toutes les deux dans notre pal depuis l'année dernière. Moi, je me l'étais acheté et elle l'avait déjà. Donc c'est Nancy Mitford, Highland Fling. Je n'ai jamais lu de Nancy Mitford, mais j'ai lu Les Sœurs Mitford avec Jessica Fellows, qui avait écrit un cozy mystery, je crois, qui est toujours en train de paraître. Je me demande s'il n'y a pas 5 tomes ou 6 de paru. J'avais lu le premier tome et j'avais adoré. C'était Les Sœurs Mitford qui enquêtaient. Et en fait, les sœurs Mitford sont 7 ou 6 ou 7, et elles ont vraiment existé. Et Nancy Mitford a écrit des romans. Je ne connaissais pas. Et Island Fling, Fling me tentait beaucoup. Donc, je l'avais acheté l'année dernière, il me semble. Il est court, il fait 230 pages. Je vais vous lire le résumé. Jane Dacre, fille d'aristocrate, participe à une majestueuse garden party dans un grand domaine écossais. L'arrivée d'Albert Gates, peintre surréaliste fantaisiste, va perturber le cours paisible et conventionnel des festivités.
On n'en sait pas plus et je trouve ça très bien. Paru en Angleterre en 1931, Highland Fling est le premier roman de Nancy Mitford. Avec un humour grinçant, elle y dépeint les us et coutumes de ses contemporains aisés et insouciants en cette période de l'entre-deux-guerres. Voilà, j'ai très très hâte. Donc on va se caser dans le week-end avec Estelle. Et puis à partir de lundi, j'entame Les Meurtres Zen de Carsten Duss. Donc voilà, la pâle descend progressivement, mais j'ai commandé deux livres. J'ai commandé Lady Rose, le premier tome, parce que je suis en train de l'écouter et que j'aimerais l'avoir en papier parce que je l'aime bien. Et je me suis également commandé... J'ai un doute. J'ai commandé tout à l'heure quand même. Hein. C'est... Ah oui, le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, que je dois lire pour mon club de lecture des dissidentes pour début juin, et qu'il est très court, et que c'est un peu le classique huis clos policier qui a inspiré des milliers d'autres. Et c'est Ludivine Lecture du chapitre qui nous l'a recommandé. Donc, ma foi, ça me tentait bien. Mag l'a lu, je crois, enfin, l'a relu, il me semble, en janvier. Elle avait fait une lecture commune. Et c'était pas le moment dans mes lectures, je pouvais pas, mais il me tentait vraiment. Et je suis très curieuse de découvrir cette histoire parce que je crois que c'est juste un meurtre qui se passe dans une pièce où il n'y a personne, en fait. Donc, concrètement, c'est bizarre. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout. Il y a eu un meurtre dans une pièce fermée, sans témoin. Donc, c'est quand même. Un peu le crime parfait, presque. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Il n'est pas très long. Et voilà, je l'ai commandé d'occasion sur les internets. Tout comme le Lady Rose. Et là, je devrais passer en librairie parce qu'il y a Harry Potter 7 qu'il faut que j'achète. Et celui-là, je ne le veux pas d'occasion. Je le veux neuf parce qu'il est gros. Et il est, vous savez, très souple. Les folios sont très souples. Donc je préfère l'avoir neuf. Donc voilà, j'ai craqué mon obaï. Mais j'ai bien tenu quand même, je trouve. Voilà, je vais aller reprendre Meurtre et Cheesecake aux cerises ce soir. Et je vous ferai un petit débrief demain. Je pense que je clorerai, je refermerai, je vais y arriver, ce vlog. Demain, bonjour tout le monde, on est samedi, presque midi. Et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère que cette semaine vous a plu, que vous avez trouvé des idées de lecture peut-être. Moi, j'ai toujours pas terminé Meurtre et Cheesecake. Il me reste vraiment pas grand-chose, mais je me suis endormie comme un caca hier devant. Il me reste 30 pages. Je pense que je vais les finir là. Comme ça, cet après-midi, je peux attaquer le Nancy Mitford. Je suis passée à la librairie pour vraiment définitivement craquer mon obaï et me procurer le dernier tome de la saga de Harry Potter, Les Reliques de la Mort. Il est gros, hein. Il fait 900 pages, hein. 880. Donc voilà, c'est le dernier tome de la saga. Je ne sais pas si je suis prête à les quitter, je ne pense pas, mais j'ai pas le choix. Je lirai pas la pièce de théâtre parce que j'aime pas les pièces de théâtre. J'aime pas lire du théâtre. Je préfère le voir. Le lire, j'ai toujours beaucoup de mal. Et j'ai pas très envie de le lire. Non, je m'arrêterai là. Je relirai la saga probablement dans quelques années. Je reverrai les films avec plaisir. Mais voilà. Il est quand même à 15 balles. Hein. On parle d'un poche. À 900 pages, certes. Mais il est quand même à 15 balles. Bref, je voulais pas l'acheter d'occasion parce que j'avais peur qu'il soit tout abîmé. Vu que vous voyez le format du truc. Donc voilà, et en plus ma libraire m'a dit, ah bah vous faites bien de l'acheter parce que les nouvelles couvertures arrivent et je les aime pas non plus du tout, je les trouve pas belles. Donc je suis contente, au moins j'ai tous les tomes de la saga, alors pas dans cette édition parce que j'ai un tome, le tome 4 qui est dans l'édition, première édition poche je crois, donc avec le Harry Potter qu'on connaît. Et les autres, j'ai le 1, 2, 3 avec le Harry Potter, vous savez, argenté comme ça. Et après, donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai dans cette collection là. C'est dépareillé, c'est pas très grave. Les tranches sont identiques. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites de très belles lectures. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez. J'ai toujours plaisir à vous répondre. Ah, j'ai pas fait la question de la semaine. J'en ai pas, j'ai rien préparé, donc j'en ai pas. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Alors j'ai des idées de vidéos pour les prochaines semaines, en plus des vlogs. Donc j'ai 4 idées de vidéos que j'essaierai de faire, de filmer, je vais pas dire d'un vlog, mais presque, pour pouvoir les mettre par exemple pendant les grandes vacances où je vais moins vlogger. Ça vous fera un petit peu de contenu comme ça. Et puis, à voir comment je m'organise pendant les grandes vacances. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà, on a le temps de s'en reparler. Eh bien, écoutez, je vous retrouve en commentaire. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture.